Voici mon petit déjeuner. Donc, en tant que Français, une tartine là, une tartine de pain, hein, pain beurre, avec un pamplemousse, une pomme, deux bananes. Je vais manger après un bout de sapoti, de corossol. Et là, j'ai pris un petit cappuccino, hein, c'est dimanche, et un jus de curcuma. Vous savez, le curcuma, c'est excellent pour la santé. Et le curcuma, voilà, avec quoi on fait du curcuma. Voilà, les racines de curcuma. Simplement, c'est excellent, ça renforce le système immunitaire. Bien, bonjour, réussi à Toto Polo. Scène 31. Donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et ben, donc, vous avez vu mon petit déjeuner, hein? De la banane, de la pomme, une pamplemousse, une tartine de pain et un jus de curcuma. Ah, le curcuma, vous savez, c'est une racine comme ça, là. Je vais vous faire voir ça. Une racine qui contient beaucoup, beaucoup d'éléments essentiels pour la santé, puisque, vous savez, aujourd'hui, le curcuma peut soigner le cancer. Donc, il y a des Américains qui ont fait des recherches. Et donc, chez nous, on en plante du curcuma. Et donc, voilà, on peut faire du jus, tout simplement, rajouter avec un jus d'orange ou un jus de pamplemousse pour renforcer son système immunitaire et pour faire des bombes. Voilà, c'est pour bien démarrer la journée, mes chers amis. Donc, encore une fois, je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui. Et si, tout simplement, si je vous ai fait voir mon petit déjeuner, c'est pour vous dire que ici, l'essentiel, c'est de prendre des choses pas trop gras, des choses beaucoup plus naturelles au petit déjeuner, parce que le cerveau a besoin de sucre, mais de sucre nature, pas de sucre qui a été travaillé en usine. Donc là, le sucre naturel des fruits, c'est excellent pour le cerveau. Ça permet d'avoir donc de nourrir mon cerveau. Et ben, vous savez, c'est essentiel de nourrir son cerveau, puisque si on n'utilise pas son cerveau, et ben on va mourir sans pouvoir utiliser, parce que les génies utilisent 2% de nos neurones et 98%, jusqu'à 5% ils utilisent les génies. Les gens normaux comme vous et moi, enfin si on peut appeler ça normaux, moi j'estime que je suis un peu plus que la normalité. Les gens normaux, ils utilisent 2%. Et les génies, ils utilisent jusqu'à 5% de leurs neurones. Et 95% qui restent inexploités. Donc, si on peut utiliser ça, ben, ça serait pas de mal. Donc, un bon jus de curcuma, c'est excellent. Voilà, mes amis, c'était pour vous montrer mon petit déjeuner. Et restez très attentifs parce qu'il y a une ou deux ou trois vidéos qui vont venir là. Ça sera de la bombe. Ça sera de la bombe. Deux vidéos sur la loi de l'attraction et une vidéo sur la vision, être visionnaire. Ok? Donc, je vous dis à tout de suite, hein, pour la prochaine vidéo. Et ben voilà, si vous avez aimé cette vidéo pour bien démarrer, comment prendre son bon petit déjeuner le matin, et ben écoutez, ben, laissez-moi un petit commentaire. Et franchement, ce que j'aurai à faire, c'est avec vous, mes chers amis. Ben, comme je vous donne des vidéos gratuitement pendant un laps de temps, et ben, j'aimerais que j'ai un retour en contrepartie. J'aimerais que vous me dites si c'est qu'est-ce que vous en pensez de ce que je fais comme vidéo, avoir votre ressenti, avoir votre feedback pour savoir si je suis dans le bon sens, si ça vous plaît, si vous trouvez un sens dans ces vidéos, si vous trouvez un contenu qui va vous permettre d'évoluer, de grandir, de réussir votre vie, de réussir votre métier, de réussir ce que vous avez envie de réussir tout simplement. Donc voilà, et j'aimerais mettre un deal entre vous et moi pour savoir jusqu'à combien de personnes vous pouvez partager. On va faire un jeu, on verra. Moi, je vais faire autant de vidéos et vous allez pouvoir partager autant. Et savoir, ben, et surtout, abonnez-vous
hein, abonnez-vous, donc pour savoir, d'après vous, combien d'abonnés je peux avoir. Est-ce que je peux avoir 10 abonnés? Est-ce que je peux avoir 100 abonnés? Est-ce que je peux avoir 1000? Est-ce que je peux avoir 10 000? Est-ce que je peux avoir 100 000? Est-ce que je peux avoir 1 million? Oui, il y a des personnes qui ont 1 million, plusieurs millions d'abonnés, ce sont les Américains, bien sûr, c'est toujours eux qui sont en avance. Alors dites-moi, combien d'abonnés, d'après vous, je peux avoir? Comme ça, je vais savoir, je vais voir si vous avez eu raison ou pas. J'aimerais aussi voir votre vision, votre ressenti. Voilà, tout simplement. Je vais vous demander de laisser un commentaire et me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je compte sur vous. Hein? Allez, salut, à plus, mes amis. Ciao, bye.